Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter un after patch pour le glitch invincible et invisible de Fortnite. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre à côté de Rikiti Riggs comme vous le voyez sur le gameplay. Alors à cet emplacement, vous allez devoir trouver des grenades. Si vous n'en trouvez pas, allez voir à la flottille ou à Rikiti Riggs pour voir s'il n'y en a pas, et puis après revenez à cet emplacement. Quand vous avez vos grenades, allez près des toilettes et détruisez la toilette de droite. Il vous faudra uniquement la toilette de gauche, qui est une toilette de téléportation sur un vortex. À ce moment-là, créez un mur pour vous enfermer et lancez une grenade pour vous suicider avec. Alors là, il va y avoir une question de timing. Il faut que la grenade vous tue au moment où vous rentrez dans la toilette. Si elle vous tue avant, ça ne marchera pas. Si elle vous tue après, ben vous ne serez pas mort. Donc, il faut vraiment avoir un bon timing. Donc, c'est pas très compliqué, mais voilà, faut choper le truc. Donc si vous y arrivez, il n'y aura pas de décompte sur votre PLS. En fait, vous serez à 0 point de vie et le temps sera illimité pour que vos potes vous réaniment. Bien entendu, il faut être 2 joueurs minimum. Alors dans le gameplay, on voit que je sors directement de la toilette, mais c'est possible que vous, dans votre gameplay, vous êtes propulsé par le vortex qui est juste à côté. Donc là, ben, redirigez-vous vers le bateau et attendez qu'un de vos potes vous réanime. Quand vous serez réanimé, vous serez complètement invincible, donc personne ne pourra vous tuer, même pas la zone. Vous pourrez même utiliser vos armes. Cependant, vous ne devez pas appuyer sur triangle ni sortir vos constructions, sinon vous ne pourrez plus utiliser vos armes. Alors par contre, là vous n'êtes toujours pas invisible, vous êtes juste invincible. Alors pour être invisible, il va falloir utiliser un canoë, donc un bateau. Vous rentrez dans le bateau, ça va vous sortir directement de ce bateau et là vous serez invisible. Alors faites attention parce que le bateau, si vos alliés commence à utiliser le bateau, ça va complètement vous faire bugger. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, je me retrouve en haut de la map, en dessous de la map. Enfin voilà, ça fait complètement bugger, je suis complètement de travers. Donc dites à vos potes de ne pas utiliser le bateau et de ne surtout pas le détruire. Parce que s'ils détruisent le bateau, vous ne serez plus invisible. Donc quand vous aurez utilisé le bateau, vous serez invisible et invincible et vous pourrez utiliser vos armes. Alors faut faire très attention parce que le seul moyen d'annuler le glitch, c'est de par exemple ramasser du soin et d'utiliser le soin. Là, ça annulera le glitch. Donc, ramassez que des armes. Si vous voulez changer d'arme, si par exemple vous n'avez plus de balles, bah, ramassez que des armes. Et surtout, n'utilisez pas de soin. Et ne switchez pas d'armes aussi. N'essayez pas de switcher d'armes. Vous ne pouvez pas switcher d'armes, sauf en ramassant des armes. Et je le répète, vous êtes même invincible quand vous êtes hors zone. Donc, vous pouvez vous balader hors zone sans problème. Vous ne serez jamais mort. Alors bien sûr, ce glitch est complètement abusé et what the fuck, c'est un désavantage total pour les gens qui jouent honnêtement. Donc je vous conseille de ne pas le faire parce qu'ils peuvent vous signaler. Et s'ils vous signalent, vous risquez d'être banni. Donc vous pouvez le faire peut-être une fois vite fait pour troller les gens, mais après c'est tout. N'en abusez surtout pas, c'est à vos risques et périls. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.